Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du défi Pocket Jeunesse de février. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le défi Pocket Jeunesse, où et où aller pour le voir. Donc où c'est sur la page Facebook de Pocket Jeunesse. Donc il en sort un chaque mois. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait vous avez par exemple pour celui de février 30 petites phrases à et vous devez lire un livre qui par exemple, bah je vais vous dire un exemple parce que je sais pas trop comment expliquer. Par exemple un c'est lire une histoire qui fait rêver. Donc par exemple moi j'ai pris Girl Online de Zoé Sugg, publié chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire d'amour là entre une star et une fille normale. Donc je vous fais pas un résumé détaillé parce que ça serait trop long, mais n'hésitez pas à nous dire sur notre page Facebook ou sur sous l'article où il y aura ma vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le numéro 6, donc c'est il y a un couple LGTB+ dans l'histoire, donc c'est un couple gay. Donc moi j'ai pris cette vie de Léo Bellamy de Nathalie Trapp, publiée chez l'édition Rajot. Non, Robert Laffont. Donc voilà. Pour le 11, donc c'est lire un livre qui vous surprend. Moi j'ai pris Fun Play 2 de Morgane Picaille. Donc j'ai beaucoup aimé. Et avant, donc il y avait le 10, écouter un podcast Pocket Jeunesse. Donc moi j'en ai écouté un, je vous mettrai le lien de celui-là que j'ai écouté en barre d'infos. Le 12, c'est il y a du rose sur la couverture et moi j'ai pris Nos précieuses confidences, le tome 1 de Robico, publié chez Edition Pika. On a le 15, donc il y a plus de 6 personnages sur la couverture. Donc moi j'ai pris Killing November de Adrian Amateur, publié chez Edition Pocket Jeunesse. Donc il y en a exactement 7 sur la couverture et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le 19, c'est Les personnages parlent de livres. Donc 5 cm par seconde, donc le tome 1 de Makoto Shinkai. Donc toujours publié chez Pika Édition. C'est un manga vraiment chouette. Le 20, c'est le héros ou l'héroïne a un handicap. Donc là, on est dedans, c'est une fille qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle Asperger. Donc c'est une sorte de autisme. Pardon, ma pile vient de tomber. En 22, on a Avoir un coup de cœur. Donc moi j'ai pris La Maison des Reflets de Camille Brisson, publié chez Edition Cyros. Donc c'est vraiment un coup de cœur ce livre. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. En plus la couverture elle est hyper belle je trouve. Le 25, donc c'est le titre écrit sur 3 lignes. Donc voilà, c'est écrit sur 3 lignes. Celui-là, je ne l'avais pas beaucoup aimé, il est parti sur Vinted. Le 26, c'est Le prénom et le nom de l'auteur commencent par la même lettre. Donc là, c'est Risque de Fleur Ferry, donc qui commence par F. Publié chez l'édition Hugo Roman dans leur collection Newsay. Donc ça, c'est un livre vraiment hyper hyper bien. Dans le 27, donc on a il y a au moins un cœur sur la couverture, donc le vide de nos cœurs, où au centre il y a un cœur. Et franchement celui-là aussi je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et je ferai un avis bientôt dessus. Le 28, lire un livre de sa palle. Donc celui-là, il fait partie de ma palle. Mais je ne l'ai pas vraiment aimé. Il part aussi sur une tête. Donc c'est Mon premier week-end sans parents de Nathalie Charles, publié chez Edition Rajot. Donc il a à partir de 9 ans. Et le dernier, donc c'est le 30, l'histoire se déroule en 2020, donc c'est Maman les petits bateaux de Claire Mazard, publié chez Le Muscadier dans leur collection Restez vivants. Donc ce livre se passe en 2020, donc fin 2019, début 2020, et il est vraiment hyper hyper bien, et là aussi il y aura un avis qui va sortir dessus. Donc voilà, au total je n'ai pas fait 15 phrases, parce que comme je vous l'ai dit, je trouvais pas. Et franchement j'ai beaucoup aimé. J'irai voir le défi de mars si il me plaît, si j'ai des idées. N'hésitez pas à me dire sous l'article de mon blog si ça vous plaît ce genre de défi, si vous en faisiez ou pas,
ou si vous ne les aimez pas du tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.